Bon, pour moi, c'est normal, quoi, je me réveille le matin, tranquille, il n'y a pas de problème, quoi, je n'ai... Bon, je me sens bien, tout va bien, il n'y a pas de problème et tout. Mais quelque chose s'est passé ces temps-ci qui m'a fait, on va dire, revisiter un peu cette pensée que j'avais de la santé pour quelque chose d'acquis. On a fait la mission, je pense que c'était samedi ou dimanche. Et lorsqu'on est revenu, bon, ça avait commencé la veille. Bon, j'ai pas porté attention, je me suis dit, ah, ça va passer, bon, y a pas de problème. Et le lendemain, lorsqu'on est revenu de mission, on allait vraiment, vraiment pas bien. Toutes mes oreilles, ma gorge, tout mon corps, c'était vraiment, on va dire, si je peux dire ça, c'était vraiment une cacophonie intérieure. Et vraiment, je me sentais vraiment pas bien. Et je suis partie, dès qu'on est rentré, je suis partie directement me coucher avec ma doudoune, tout sur moi, tous les draps possibles sur moi. Elle m'a dit, viens, elle me dit, j'en repasse la voix aujourd'hui. Parce que vraiment, chaque soir, je dis qu'avant de partir me coucher, pour que je me sente fraîche. Donc, ce jour particulier, je ne me suis pas lavée, je suis passée directement me coucher. Parce que vraiment, je me sentais vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Et par la grâce de Dieu, le lendemain, les symptômes se sont estompés. Mais je n'allais toujours pas bien, mes jambes, ça allait et tout. Lorsqu'on est venu à la prière, ça allait, ça continue à mieux aller, Mais je sens vraiment que c'est comme si tous les symptômes qui partaient sont en train de revenir. Mais je bénis le Seigneur pourquoi? Pour ce petit clin d'œil qu'il m'a fait, comme quoi la santé n'est pas gratuite. Et vraiment, la santé vient de lui. Sincèrement, pendant ces deux jours que j'ai passés, je me rends compte que lorsque tu es malade, tu n'as pas envie de prier. Tu n'as pas la force même de méditer. Je luttais avec moi-même pour méditer, mais ça n'allait pas quelque part. J'avais sommeil, j'avais envie de dormir. J'étais fatiguée. Et vraiment, je bénis le Seigneur du fait qu'il me donne la force vraiment de me tenir debout, qu'il me donne la force vraiment de pouvoir le chanter, de pouvoir le louer, de pouvoir vraiment avoir ce sourire-là. Parce que sincèrement, quand tu es malade, tu es étourdie, tu es zoin, comme on dit, on n'a pas envie de faire quoi que ce soit. Et vraiment, je le bénis pour cela. Donc, le bénis, lui dit merci encore. Amen. Le Seigneur est bon. Alors, je crois que c'était le jour de l'effusion du Saint-Esprit. On était là,
Et quand ça commençait, bon, je voyais, souvent, on voit la télévision, des gens tomber, ainsi de suite. Je me disais, mais est-ce qu'ils font ça exprès ou bien c'est quoi? Parce que je crois que, bon, quand on est en forme, et puis tout cela, pourquoi, je ne sais pas, qu'est-ce qui va nous pousser à faire de sorte qu'on puisse tomber. Alors, j'étais là, et puis, bon, père. Et puis, à un moment donné, je sentais un peu, il y avait très chaud. Je me suis dit, bon, père, parce que l'air climatisé ne fonctionne pas comme il faut. Et puis, à un moment donné, je voyais, tu vois, le genre qui tombait, ainsi de suite. Et puis, bon, mamie, quand mamie priait, parlait, et puis il a demandé qu'on puisse soulever nos mains, le mains, tout ça, ainsi de suite. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, père, hein, David n'est pas là, Moïse n'est pas là, hein, je suis là. Mais j'ai senti, comme je n'avais plus de force, mes genoux, j'essayais un peu de résister. Alors, plus que j'ai résisté, plus que ça m'a tiré un peu vers le bas. Et je me suis retrouvé par terre. Mais, non, c'était un moment merveilleux. C'était un moment merveilleux. Tout d'un coup, tu sens comme si tu deviens un peu léger. Tu as chaud, tu deviens léger. Ma sœur est en train d'appuyer un peu ce que je suis en train de dire. J'avoue que tu te sens un peu, j'ai dit, mais il se passe vraiment quelque chose en nous. Et vous savez, c'est un peu après justement ce scénario-là, le témoignage que j'ai fait hier par rapport au changement des noms de mon église, et le courage que j'avais de pouvoir confronter un peu tout ce monde, c'était par rapport à ça. Je me sentais bien, mais il y a quelque chose qui me dit, non, il faut parler. Il faut dire parce que le changement dit non, ce n'est pas pour plaire au pasteur, mais c'est pour Dieu. Donc, en fait, c'est baptême par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, c'est vraiment merveilleux. Amen. Moi, j'ai connu ça, j'ai vécu ça. Maintenant, quand à la télévision, je vois des choses, je reste calme, tout simplement. Je ne fais que louer le Seigneur. Et comme on sait, la parole nous dit, bon, dans Pharisien, dans Matthieu, quand Jésus parle, en fait, pour des gens qui prient, les pharisiens, ainsi de suite, même dans les lieux publics, mais ils ont leur récompense. Donc, que ce soit vrai ou faux, c'est le Seigneur qui connaît les cœurs. Amen. Amen.